Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. On va poursuivre notre partie sur Baldur's Gate 2, Throne of Baal. Lors du dernier épisode, nous étions arrivés dans la tour de garde face à la machine de l'homme le fou, occupée par ce sympathique magicien. Alors que mon suivi de chat galère. On va dire que c'est bon. Gardez votre sympathique magicien dans une zone où on va avoir à la fois des flagellants mentaux et d'autres joyeusetés. Du coup, on va récupérer déjà C'est ça. entendu. Ça a été encombré. Heureusement, Sarbok, il peut porter. On peut obtenir des torches à la flamme bleue et éclatant en flamant. Ok, très bien. Ok. Allez, on se presse. Alors, il y avait un golem de magie qu'on avait buté. Il n'y a plus grand monde. Il y a des étranges spots de couleur. Bon, on va aller au sud, hein. Au sud ou par là? D'abord par là. Et rien à signaler ici. Rien non plus, ça ressemble à une porte, mais ce n'en est pas une, il y a un escalier. On va se finir l'étage. Avant d'aller explorer l'au-delà de la porte. Au bout des orgues, ça devrait le faire. Oh Vicky, tu t'en fais toucher. Hop, parchemin on va récupérer. Vision véritable, ça sert toujours. Imoen, pif paf pouf. Alors on va aller chercher des pièges. Rien ici, c'est louche. Ah, mimique. Des mimiques. Je m'en voudrais de refuser. Que la nature reprenne du droit. Hop, dommage. Ok, vous allez bien vous calmer. Très bien, bien joué, magnifique. C'est entendu. Quel talent incroyable. Tué par un coffre. C'est pas grave. On va recommencer ça de façon plus détendue. Armin, je pense qu'il est mort. Mort de surprise. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, rien, c'est verrouillé. Oui, j'ai compris. Des popos! Digger, t'as du stock, t'as du stock. T'en as pas. T'en as 4. Oui. Pour toi, Vicky. Je m'en voudrais de refuser. Bon, oh, bah, cette fois-ci. Rien pour attendre. Quand on a plus de pouvoir en chef pour faire le ménage, le combat est un petit peu plus long. Ok, sur lui, fait. Ah, il est maudit, ok, très bien. Il a que 600 constitutes. Bon. Pour les mâles, ça ne sert à rien. Oh, t'en crâne! Oh, même sur le vélo, il me suit. Mais quel sportif incroyable! Oh là, c'est un public qui pédale et qui regarde des let's play en même temps. Oui, que puis-je faire pour toi? Oh oui! De la caillasse. De la merde. Bon, une baguette, ça dépend de quoi c'est. Baguette de contre-coup, brèche et perce magique. Ça sert à rien. Hop. Pour l'instant. Je pense que le sceptre de radiance, on a besoin, mais on va éviter de le jeter parce que
Si jamais on remonte à l'étage par comme des cons, ça serait bloqué. Oh, on s'en fout. On va essayer un Vicky. Jusqu'ici tout va bien. Au moins. Moult ombres. Hop. Ça m'aurait arrangé qu'elle soit neutre ou bonne, Viponia, ça aurait permis de faire un petit peu plus de ménage chez les morts vivants, parce que là, à chaque fois, on est quand même obligé de finir à main. Je pensais bien. Et donc. Tu disais? Pas trop tôt. Ça va être protégé. Ouais. Oui. Allons-y. Cette torche n'est pas allumée. Si vous avez un peu d'huile du silex et du petit bois, vous pouvez l'allumer. Mais pour l'instant, on n'a pas ce qu'il faut, on a que de l'huile. Je t'écoute. Que puis-je faire pour toi? Et bien sûr, il faut mettre de l'huile, petit homme, dans la vie. Faut que ça glisse. Vers les profondeurs, vers le campement Illithid ou Githyanki. Par lesquels on commence? Ça sert les Githyanki. Les Illithid. Les habitants de la surface. On va commencer le mode hardcore. Oh, j'espère, mon brave concrète, que ça te pédale sec. Tu profites de ce beau temps pour faire du kilomètre. Alors. Oui. Si mes souvenirs sont tels que ça. Cerveau qui est immunisé aux attaques psionidium. Ça va être un minimum de protection. Non. Voilà. Ça c'est fait. Valigar est confus. Mais ça y est, pas besoin du nombre des roches pour qu'on le sache. Comme tu voudras. Que veux-tu? Les habitants de la surface. Il y a des ennemis en vue. Valigar a créé des portraits. C'est entendu. Non. Comment dire, c'est une mauvaise idée. On va quand même se faire les ultra en premier. Mais si elle présente pas une grosse menace du coup avec la lame de Psion qui permet d'éviter leur attaque. Alors que revoilà la sous-préfète. T'es qui toi? Un apprenti. Oh, arrêtez, pitié, je ne dirai rien. Pitié, laissez-moi mourir. Je ne te veux aucun mal, je suis là pour t'aider, je suis un gentil. Je vous l'ai dit, Carston mérite de rester enfermé à jamais dans sa cage de fer. Je ne le laisserai jamais s'échapper. Comment as-tu connu Carston? Vous n'êtes pas un de ces monstres. Vous ne pouvez pas m'aider. Laissez-moi mourir en paix, je vous en supplie. Mais si tu veux être tranquille, tu ferais mieux de répondre. Vos menaces n'ont aucun effet sur moi. J'ai déjà enduré une agonie que vous ne pouvez même pas envisager. Je suis gravement blessé, je n'en ai plus pour longtemps, mais je répondrai à vos questions si je peux. Bah putain, faut savoir si tu veux ou tu veux pas. Est-ce qu'il y a moyen de passer à la cage en verre de Carston? Non, je ne vous dirai rien, il mérite d'y rester enfermé pour toujours. Demandez-moi autre chose si vous voulez, mais pas ça, jamais. Et pourquoi tu lui en veux? Carston était mon maître. Il m'a emmené autrefois avec ses autres apprentis dans cet endroit horrible, à la recherche de la connaissance oubliée qui est enfuie à la profondeur de ce donjon.
Il nous a guidés pour surmonter les pièges et vaincre les gardiens des niveaux supérieurs du donjon. Nous sommes tombés sur la machine de Lum le Fou. Il savait que c'était le seul moyen d'ouvrir l'entrée du niveau inférieur. Je savais que c'était la clé pour sortir d'ici. J'en avais en fait aucune idée. Carston croyait qu'il pouvait contrôler la machine. Il a examiné toutes ses commandes et il a tripoté un interrupteur. La seconde d'après, il était enfermé dans cette cage magique. Avant même que nous ayons le temps de comprendre, de venir l'aider, cet idiot de Carston a tripoté un autre interrupteur. Nous avons instantanément été encerclés par une horde de démons venus d'un autre plan. Il se foutait de votre gueule. Nous aurions tous pu survivre si ce béné de Carston nous avait laissé raconter nos sorts, mais il a paniqué, il a continué à tripoter des boutons au hasard. Entre les boules de feu, la foudre et les monstres qu'il libérait, j'ai eu la chance d'en sortir vivant. Mes compagnons n'ont pas eu cette chance, ils ont tous été dépossés par les démons, réduits en cendres par la magie de cette machine infernale. Mais Carston n'a pas souffert, il était bien à l'abri dans sa bulle de verre. Encore un mage à souhait de pouvoir, et qui se soucie bien peu des morts qui jalonnent sa route. J'ai déjà suffisamment vécu cela pour ne pas être surpris, mais ça me dégoûte toujours. Carston a survécu, mais il est resté prisonnier de sa cage, incapable d'en sortir même après avoir vu ce... Non, je peux pas en parler, j'aurais pu le libérer, mais je l'ai laissé pourrir là-dedans. Dis-moi comment franchir la cage en verre de Carston et je te vengerai. Non, je ne dis rien. Ouais, d'accord. Ouais, je t'aiderai si je pouvais, mais là je peux pas. Vous ne pouvez plus ni m'aider ni me blesser. On ne peut pas penser les tortures des litiges. Je veux vivre dans les ténèbres. Je fais exprès d'appeler Carston alors je sais qu'il s'appelle Carston pour briser son esprit, mais il a des nerfs d'acier. Un truc à fouiller. Of course, un piège. Oh, une absorption de niveau. Chouette. Toi, tu commences à en avoir assez. Il se trouve que j'ai ce qu'il faut pour guérir ces petits désagréments de la vie. Tu n'as qu'un mot à dire. N'abuse pas. Le cerveau, tu vas aller en tête comme d'habitude. C'est tout le monde de niveau Brimwen. Ça pique. Nos actions sont justes et elles servent la balance. Ouais, 226 points de dégâts et il survit même pas. Fragile les gars. Alors Imomo, visiblement il y a un piège qui nous refuse de qui se déclenche à chaque passage dans le coin. Sur lequel tu étais debout. Et tu as monté le niveau. Sauvegarde améliorée, point de vie, connaissance, pas de nouveau sort, capacité spéciale. Convocation de planaire, on s'en fout. Et comète, pas de top. N'inflige pas de dégâts au monde du groupe, quand même. Non, tu reprends un sort de niveau 6. Hop. Je crois que tous tes sorts sont pleins. Continue avec ton Chain Lightning. Je vais prendre une vision véritable. Coco, toi t'as des compétences de voleuse avec ta transfo de tancer, tu peux faire des trucs sympas, je pense. Que puis-je faire pour toi? C'est facile. D'accord. Oui, c'est entendu. Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit coffre? Un grenat. C'est de la merde. C'est le cœur de qui? Cœur noir de Woody, encore. Ce qui me fait penser que du coup on n'aura pas eu la romance avec Viconia. Elle nous a bien mis un gros stop à la fin de Shadow of Ham, et donc du coup bah. On y va? Tant pis! Que puis-je faire pour toi? Montre-moi, je n'ai peur de rien. Oui. Il n'a pas peur de personne. Je m'en voudrais de refuser. Oui. Pas de problème. Que puis-je... Si tu peux éviter de jeter Fate sur un piège, ça serait bien. Oui. J'attends. Compte sur moi. Il va falloir l'ouvrir par un autre côté. Sûrement par en haut. L'option rend les choses tellement plus faciles dans ce coin-là. Que puis-je faire pour toi? Que veux-tu?
Qu'il en soit ainsi. Kiku. Ah, c'est que des ombres des roches. Allons-y, je ferai en sorte que ce soit rapide. Sans. La victoire sera nôtre aujourd'hui. Vengeance. Il doit être quand même un petit peu plus rude que celle qu'on a rencontrée au tout début dans le château de Nabia. Soit. Je vous entends, vous y avez bien réfléchi. Il faut quand même que je mette une paire de goûts pour qu'elle claque. Que se passe-t-il ? Comme tu veux. Oh oh oh, baguette et un sceptre inutile. Que puis-je faire pour toi ? Je vous aiderai de mon mieux. Bodyguard, t'es quoi ? Hop, Vicky, c'est parfait. T'as de la place. Encore une baguette. Baguette de malédiction. Mouais. Pas oh, terrible. Cette bonne ambiance qui devrait être au cœur de Baldur 3, puisque les flageurs autour ont l'air de jouer un rôle très important. Vu les premiers trailers qui sont sortis. Alors, on va devoir lire la description d'un objet, ça me dégoûte. C'est une moitié de clé élitée vraiment en forme de bâton doré, une serrure qui contient un grand trésor. Ces élitées sont allées jusqu'à casser la clé en deux parties. J'ai pas croisé d'autres trucs là. C'est entendu. Fouiller, ah si là-bas. Oh but, mais j'ai raté la moitié des trucs en fait. Notre manuscrit, l'auteur de l'inscription possède une écriture très ronde et ornementée, la phrase vous semble pas dire grand chose. Vite, vite, le carré bleu, vitesse et finesse. On va le garder, c'est une note pour la machine de l'homme. C'est rien d'intéressant. Là-dedans, je prends une... la machine, c'est là-dedans. Que puis-je faire pour toi ? Cet endroit. Il me semble qu'on a tout fouillé. Ah, on a oublié un truc ici. Ah, la deuxième partie de sceptre. Il me semble que les deux parties du sceptre peuvent maintenant être utilisées pour ouvrir une des portes de la zone. On en vaut pour bien fouiller. Un casque en plus. La merde. Ça, c'est légalisé. Servir, mais pas... pas tant que ça à ce niveau-là. N'abuse pas. Alors, Sarvok, tu vas continuer d'aller faire le ménage chez tes copains. Avec le poubeu. Hautement prévisible. Un inutile vampirique. Oui. The affair is in the bag. Bon, ces zones-là, c'est fait. On a récupéré l'huile rouge. On va aller fouiller chez les Gikyongki. Il était de l'autre côté du niveau. 14 000 équipés, l'illicite vampirique, c'est pas mal. D'ailleurs, au niveau d'XP, on est où ? Fade 51 000, c'est bientôt. Sarvok, ça approche aussi. Valigar, t'as le temps. Bah, Vicky, c'est très prochainement. JR aussi. Bien. Bien. Tu n'as qu'un mot à dire. Allons voir nos copains les guides. Ils vont vite nous prendre le chou, je le sens. La victoire sera Que le meilleur l'emporte.
Des anti-paladins. Et une belle paire de mains. Dépioteur infernal, c'est une épée plus 5. Utilisable que par les anti-paladins, bon. C'est par cut, mauvais, note loyale. Paladin, chevalier, etc. C'est un mordillon. Je pense qu'on pourra la vendre parce qu'il ne me semble pas qu'on puisse jouer un type paladin. Sauf que dans l'équipe de perso, un peu trop d'armes, Sarbuck. Faut rien dire. Eric, tu fais collègue. Hop, tu arrives. Comme des gars. L'homme était bien, mais. Yep. Que puis-je faire pour toi? Oui. Alors, Josette. Compris. Je vais chercher les piges. Je crois qu'il y en aura moult dans le coin. Nos actions sont justes et elles servent la balance. La méthode Jaira, tu me fais peur. Oui, je m'en voudrais de refuser. Une robe de mage. Pourquoi pas? Bon, de roturier, d'accord. Si c'était pour nous filer ça, il aurait pu la garder. Je crois que j'ai au moins 12. Hop. Pas trop tôt. Mmh. Oh oui. S'il est avec ses petits bois, c'est parfait, on va pouvoir allumer le feu. Et je ne chanterai pas, pour le coup. J'ai toujours là. Que puis-je faire pour toi? Je t'écoute. La victoire sera notre aujourd'hui. T'as pris une mise à mal, là. T'as pris une mise à mal, Jaja. Heureusement, nous avons des potions, des antiloutes. On est à plat. Il était temps. Fatalité. Oui. Fort bien. Je pensais bien. Ils sont tac, hein, ces guides. Oui, Abby. Comme au bon vieux temps. Hormis les scènes de torture et tout le reste, bien sûr. On aura une table et un petit coffre. Du meilleur goût. Que puis-je faire pour... Allons-y. Là, tu n'as pas vraiment besoin. Une note de la machine de l'homme. Plus petite, petit, long, rond et bleu. Oui. Nul ne me résiste. Ça pique. Rends-toi enfin utile. Meurs. Et qui tient qui aux armes des envahisseurs sont dans le repère. S'ils ne sont pas inutiles alors, qui sont-ils? Ou peut-être cherchent-ils l'or de derrière les doubles portes? Le trésor des anciens? Je m'en fous de ton trésor, juste parler du taré de l'autre salle. Pas de blabla, on coupe les langues, la mort vaut toute la réponse. Détiens qui à l'attaque. Tu vas mourir. Alors, on va le défoncer. Et tu vas lancer une résistance à la terrain. Voilà, c'était bien. Merci d'être venu. Hop.
Ongur de Vadal plus 4. Très bonne arme. Légendaire flamme enflammée de Flick Idiot. Un de 8 plus 4. Je crois qu'on a personne à les plus longues. Notre TA bâtarde. Imoen, je crois que ton épée elle est mieux que ça. Oh oui. C'est pas grave. Je vais le sac avec les autres. Journal d'apprenti de Carston, celui de l'unique reste qui devait être un journal. J'ai maudit Carston pour l'avoir emprisonné dans cet endroit infernal. Ma seule consolation est l'assurance que mon vieux maître est également emprisonné dans une cage de verre. J'ai dissimulé le maillet de cristal afin de m'assurer que nul ne puisse l'utiliser à 6 reprises pour libérer Carston en brisant sa prison. Il est pourri pour l'éternité. Très bien. Bon savoir. Oui. Mettons-nous à l'œuvre. Je pense que c'est le Spelljammer des Gitanki qui est là. C'est une espèce de vaisseau qui permet de voyager entre les sphères. Que se passe-t-il ? Il nous faut nous... On en voit à nouveau dans la bande-annonce de Baldur's Gate 3. Que puis-je faire pour toi ? Comme tu voudras. Alors, lui, il va bien. Un collier. Le fermoir de Montolio. Sûrement un élément de la cave de Montolio débouché et monte ravel du célèbre rôdeur Dritz de Urden. Dors bien. Hop, au stock avec le reste. La baguette de contrôle, on n'en avait pas besoin. J'ai des écailles du dragon, bon j'ai oublié. Ah, j'ai plus tant de thunes que ça. Ce spénard il va finir par me plumer. Donc là il y a une sortie. Bon, c'est une sortie aussi, mais vers où, vers quoi? J'en ai assez. Assez. Allô? C'est entendu. Qu'est-ce qui se passe? Que puis-je faire pour toi? Oui, je m'en voudrais de refuser. J'attends qu'il en soit ainsi. Oui, je suis certain que cela fera l'affaire. Comment puis-je te venir en aide? Ah bah ok. Comme ça. C'est entendu. Pas très bien, pourquoi pas. Ustan Zadost. Je vous entends très bien. Que puis-je faire pour toi? Je m'en voudrais de rêver. Je vais d'apprendre. J'ai cru fort que nous allions trop vite pour toi. Mais... c'est inconcevable. Non, je ne peux rien porter de plus que l'objet au sol. C'est inconcevable. C'était un emprisonnement, ça. C'est entendu. Je m'en voudrais de refuser. Oui. À l'attaque. Toi, enfin, à quartier. Ok, le truc là. Demi liche, attaque mortelle. Genre, ça n'est même pas de mon attaque, c'est juste attaque mortelle. Attaque qui tue. Pas de pitié pour ceux qui osent nous attaquer. C'était un emprisonnement. Est-ce qu'on a encore une liberté qui traîne? Je ne pense pas. Ça serait trop beau. Si. Bon, t'as plus de place dans le sac. C'est tout reparti. Oh, c'est chiant. Allez, hop. Oui, c'est entendu. Oui, je n'ai peur de rien. La mort, y'en a. Non, je ne peux rien porter de plus. L'objet est au sol. J'ai plus une protection contre les bordures, c'est vrai. Histoire que dans votre cerveau tout seul lui défoncer la tronche. Immobilisation de bras vivants, mais je doute que ça marche. Oui. On va quand même tenter le coup. Je n'ai peur de rien. Je pense qu'il va nous emprisonner direct. Que veux-tu? Oui. C'est entendu. Que puis-je faire pour toi? Ouais, il est emprisonné dans son fight, c'est game over. Inconcevable. C'est relou. Je n'ai peur de rien. Que veux-tu? Oui. C'est entendu. Que puis-je faire pour toi? Ultrinante. Je m'en voudrais de refuser. Ok, bon. Ça
façon, on va prendre un emprisonnement à la face. Donc on fasse une liberté directe. Pourquoi t'es aveugle? Pourquoi t'es vaste? Oui. C'est pas concevable! Oh! Encore rien pour attendre! Mon ami. Avez-vous changé d'avis? Jacques Calès? Que puis-je faire pour toi? Bah t'équipe avec ce que t'avais, toi. Deux trois avions qui traînent, mais rien de plus. Oui. Par contre, j'ai activé le script aussi. Oui. Voilà. Ça c'est fait, 20 000 balles, ça tombe bien, on commence à plus avoir assez d'argent. Que puis-je faire pour toi? Dague étoilée plus 4. 5% de chance de rendre cette terre invisible pour 60 secondes à chaque coup réussi. Pas mal. C'est pas suffisant pour m'intéresser, mais c'est pas mal. On va remettre un petit peu dans tout ça. Prenez garde, vous mettez les pieds dans pareil endroit. De maléfiques forces magiques qui sont attirées, telles des mouches, oui, par de la viande avariée. Calme-toi, Valigar, je raconte n'importe quoi. Alors, niveau sup. Arme à une main, arme à deux mains. Arme à une main, peu importe. Résurrection de masse ou bras de feu? Bras de feu. Et donc deux sorts de niveau 7. Avec les ennemis et les amis. Sphère de l'âme qui fait toujours plaisir. Et symbole d'étourdissement qui est toujours bien relou. J'ai oublié de mettre tes serpents dans fin niveau. Du coup, Jairo, ça va être la même. Ah non, c'est bon. Oui. Je pensais bien. Oui. Allez, Imomo. J'en ai assez. Compris. C'est de la merde. Alors qu'on me notifie une sortie en vélocipède. Allons-y. Je n'ai plus mon énergie. Mettons-nous à l'œuvre. Je crains fort que nous allions crever. Pour moi, je dois me reposer. Ah, les gens se plaignent, ils sont fatigués. Petite nature. Problème de collision en ce moment. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Je voudrais bien, mais je peux point. Tu voudras. Oui, c'est entendu. Ok, alors ça semble être le dragon. Je m'en voudrais de refuser. Comme subtilement indiqué au-dessus de la porte. D'abord sur les guides. Porte manquante. Nouveau record pour ma part, tes blagues m'ont porté. Et pourtant j'ai pas fait beaucoup de blagues. Il n'y a pas grand chose à blaguer. Pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Allez, vas-y là. Un cavalier. Que la nature reprenne ses droits. Je vais t'apprendre. J'en ai assez. Pour tous ceux qui sont tombés. Ça serait mieux d'utiliser votre invisibilité si c'était vous touché. Mmh.
Vite, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, de... T'es KO. Ces petits malotrus, t'as mis à terre. La petite référence à Nicky Larson, bah oui, mais évidemment. Avec Larson. Je crains fort que nous allions trop vite pour moi. J'espérais qu'on croise un mammouth. Bon. Eh ben c'est pas tout, mais on a un dragon à taper. On va faire à 2-2 d'abord. J'ai vu un truc qui s'appelait Mammouth il y a pas longtemps, ça m'a bien fait rire. Il va te tirer une boulette. Attention, Nicky Larson. Nous allons te faire un bobo. L'excellent Maurice Sarfati, bien sûr. Oui, un dragon. Avec André, Gérard et Momo. Nous allons t'attaquer, Nicky Larson. C'est entendu. Alors, je sais plus si il est direct hostile ou si on lui parle d'abord. Donc on va y arriver, il y aller à poil pour l'instant. Je te salue. Saladrex. Je suis Saladrex. Et je te salue, petite créature, je suis Saladrex. Je présumais que les bruits entendus tout à l'heure signalaient une autre attaque des flagellements tout, mais je vois que c'est vous qui en étiez la cause. C'est très agréable de voir surgir ainsi dans mon repère une nouvelle petite souris. Qu'est-ce que tu fous là-dedans et comment t'es entré? Mon histoire est véritablement une grande histoire. Bien entendu, toute histoire qui me concerne est forcément grande, qui fait les immenses qualités de son personnage principal. Oui, vachement intéressant, vas-y, continue. J'ai fait exprès de croire que j'étais mort. Comme la plupart des malheureuses créatures de ce niveau, j'ai été convoqué par un magicien fou prisonnier de sa cage de verre. Par contre, contrairement à la plupart d'entre elles, je n'ai aucun désir de quitter cet endroit. Pourquoi tu aurais... peur? Je ne suis ici que depuis quelques années, une période de temps parfaitement insignifiante pour un dragon. Mais je préfère rester pour un certain nombre de raisons. D'abord, je trouve très distrayant les bouffonneries de Karston et les autres créatures inférieures de ce niveau. Ensuite, j'ai pu entrer en possession d'un grand nombre de trésors grâce à tous les êtres que Karston fait apparaître ici avec sa machine. Et normalement, j'avais peu à craindre des voleurs et pillards ici. J'aime pas le regard que tu m'avais jeté quand tu as parlé de voleur. Peut-être suis-je un peu paranoïaque, Sarvok. La machine de l'homme le fou a produit quelques petits effets sur toutes les créatures prises au piège ici. Nous avons parfois un comportement irrationnel. Il paraît que la frontière entre la folie et le génie est très mal définie, grand Saladrex. Ce n'est que trop vrai, je le crains. Mais cette conversation commence à me lasser. Pourquoi ne reviendrez-vous pas une autre fois? Attends un peu, gorge chaude, c'est un petit peu dégueulasse comme façon de t'appeler. J'ai supporté votre bavardage, mais maintenant il faut répondre à quelques questions. Je ne pense pas, Sarbrock. D'après vos commentaires, je sens que vous ne respectez pas comme il se doit ma grandeur. Je n'aime pas parler avec ceux qui ont pour moi aucun respect. Revenez me voir plus tard, je serai peut-être de meilleure humeur. Et non, je vais te casser les mouilles, Saladrex. Oui. On va d'abord se préparer, parce que sinon je sens qu'on va se faire rétamer comme des caca. T'es un dragon, ce qui est une raison suffisante pour te tuer sans aucune autre raison. Exprime ta volonté. Il faut tuer quelque chose, Biyak. Hop. Les mages, vous allez vous verser la petite pierre obligatoire. Je pense que ça va être à peu près bon. Non, une protection contre l'erreur. Of course. Oui. Et une rapidité. Je m'en voudrais de refuser. Et j'ai dit, et une rapidité. Que puis-je faire pour... Allez, on va tenter d'y aller comme ça, on n'est pas très préparé. Ah, il est pas très content. Ok, Jaira est morte parce que son souffle de feu fait un petit peu mal. Bon, ça va. Ça tombe bien, on a ce qu'il faut.
Thalès? Oui. Oui. C'est entendu. Il est pas hostile. Ah, vous êtes de retour. Plutôt que je l'espérais, je l'abandonne la plupart, votre impatience est à nouveau submergé par le parfum de ma gloire. Eh, barbecue, et prépare-toi avec 5 son final, et pisser la gueule, enfoiré. Pourquoi serait-il toujours s'achever dans la violence? Très bien, une fois de plus, je vais démontrer la supériorité des dragons sur les héros de pacotille. Boum! We are balancing the sauce. Ah, ton sort a été interrompu. C'est fâcheux. J'ai pas trop vu ce qui s'était fait lancer comme protection. Hop, vous avez bon, c'est tout ce qui passe. On sort de d'ici en perce magie, etc. Faut pas faire dans la dentelle. Ça pipique. Et pourquoi j'étais... Ah d'accord, il m'a filé une... Il m'a filé une surdité qui a bloqué mon sang. C'est fâcheux. Tu prends des coups. Donc on va passer tranquillement en tornade d'acier. Vicky, tu dois avoir des trucs sympas à lui balancer. J'ai décédé. En même temps, on est pas vraiment prêt. On arrive un petit peu à la zone. C'est entendu. Je m'en voudrais de refuser. Ouais, c'est les mages derrière. J'ai peur de rien. Ah, vous êtes... Les bourrins devant. Enchaînement qui va bien. Toi, tu as pris ton tornade d'acier. Oui. Tu vas nous balancer une brèche. Alors... Un abaissement. Deux abaissements. Un, deux... Trois... Quatre trop jeux. Flèche en seed. Reflèche en seed. Hello Capi, comment ça va?
Et oui, tu arrives pour une baston avec Saladax le dragon. C'est déjà pas mal. Et encore la résistance à la magie, ton frère. Veligar, t'es censé avoir tant d'être d'acier aussi. Voilà. T'es pas censé avoir des perces magiques toi aussi? Oui. Commence à atteindre la phase où il commence à manger. Si seulement il... Je te déteste, saloperie de dragon. Tu peux mourir juste avant. Oui, je n'ai peur de rien. Ah, vous êtes de retour. T'as pas la baisse de la résistance, toi, évidemment. Non. Mais c'est pas grave, on va faire avec. C'est reparti, mon kiki. On va pas laisser les œuvres. Les sorts. Ni. C'est très agaçant. Bon, j'ai un petit peu tout ce qu'on a en tant que sort. Bon, et ben ça s'est fait. Il a eu un petit peu mal quand il s'est pris un 142 dégâts. piège à sort, une esphalite, c'est parfait. Et un bâton. L'objet est au sol. Piège à sort, on le connaît déjà tous les deux. Et là-bas. Le bâton, c'est quoi? GG, merci. Bâton du Grand Bélier plus 4, 10% de chance que l'adversaire soit renversé et sonné à chaque coup réussi. Ah ben c'est bâton de mage. Immunité au charme, invisibilité, protection contre le mal. C'est bien mais pas top. À moins qu'on le laisse sur Imomo en mode mage, mais... comme ça, les tacles 10, tacles 10. Plus de dégâts que son épée. Mais son épée, quand même, quand même. Alors. Hop. Oui. N'a plus, c'est la Rex. On va pouvoir retourner à l'entrée. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Puisqu'il va falloir libérer Carston. Oh. Où es-tu, Carston? Tu as fini la tour. Oh non! Oh non! Non, non, c'est pas le dernier étage non plus. Il y a encore, je crois, un ou deux étages après celui-là. Je pensais bien. Oh, c'est... c'est bigrement long, comme...
comme donjon. Alors, rouge, rouge, violet. Bleu, violet, rouge. Montre-moi. Rouge. Rouge. Violet. Bleu, violet, rouge. Bleu. Violet. Et rouge. Alors, est-ce qu'on est con? Non! Bravo Levo! Quel talent incroyable! 10 000 XP pour avoir ouvert la carte. Alors, ça pue le monstre aussi. Garrok! Frère, des fous sont venus vous voler un trésor! Et Garrok, je vais briser les os et je siroterai mon hydromel dans leur crâne, les vraies valeurs. Que puis-je faire pour toi? Oui. Lalilou. C'est un magnifique ratage de sort de soutien. Il arrive à feu. On finira plus tard. On s'attaque à Salamandre. T'es pas censé avoir une régène, toi? Non. C'est Vicky qui est en mode de brouette de sort. Des sorts doux. Oh, bon, c'est juste des gardiens à la con. Ils ont dû être invoqués par la machine de lume, hein, eux aussi. Reviens! Reviens! Ah, mais le sac à PV, ouais, c'est bon. Je suppose qu'on devrait trouver le maillet qui devrait nous permettre de libérer Carso. Âge d'arme plus 3, c'est pas mal. Âge de la garde plus 3. Capacité d'équipement CA plus 1, régénération d'un PV par round. C'est bien, mais c'est pas terrible non plus. Voire même, c'est quand même un petit peu de la merde. Multi-attaque sur moi, c'est quand même violent. T'as pas de bot, Fred, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai gagné des bots 10 minutes à l'attaque sur base. Ça évitera les accidents. Momo, tu vas me fouiller tout ça. Oui, Vicky, tu vas nous lancer un petit. C'est parti. Alors. Le maillot de cristal qui nous permettra de libérer Carso. Et de la tunasse. Page du Golem d'Argile, je sais pas améliorer le livre. On va passer au chenier charognard, on l'a déjà, je pense. Non, Limon n'a pas encore. C'est raté. Hop. Ah, voilà. Oui. Nous allons libérer le magicien. Et ça va mal se passer pour son petit cul. Normalement. Il y a aussi une chance non négligeable que ça se passe mal pour le nôtre. Carson vous adresse un regard plein d'inquiétude lorsque vous approchez du verre qu'il protège. Combien de fois allez-vous frapper ce verre avec le maillet? 6. Vous frappez 6 fois sur les verres et attendez pour voir ce qui se passe. La cage magique se met à vibrer avec une sonorité aiguë puis tombe en poussière quelques secondes plus tard. Ils vont pas être contents. Mais non, elle perd du bœuf, je t'en supplie. Par pitié, ne me frappe pas, je vais pas faire de mal. C'est la fin de la machine. Je suis qu'un pauvre homme enfermé dans la cage de verre. Euh...
Plus tu gémiras où tu viendras, et plus j'aurai de plaisir à attraper tes tripes, garçon. Je ne me rends pas à combattre. J'y comptais bien. Par contre, j'aimerais que tu... Autant j'apprécie la situation, mais... Valigar, tu es littéralement dessus. Le bug de collision. Je me rappelle pas que ça existait dans le jeu original, donc j'ai l'impression que c'est des bugs qui ont été ajoutés avec la Enhanced Edition. On va bien se calmer. Parce que du coup, comme Valigar est là, je peux rien faire. Ah ouais, reload, parce que je suis en train de me faire punir. Hein. Oui, c'est entendu. Hmm, je m'en voudrais de refuser. Hop, 6, bim. Non, ouais, j'ai pété la tronche. Pitié, ne me frappe pas. Je ne sais pas. Je voulais pas faire de mal. C'est la faute à la machine. Il a même pas eu le temps de lancer ses protections, sont même pas eu le temps de se déclencher, il est mort. Il a pris immédiatement 68 points de dégâts et il est décédé. Journal de Carston. Il s'agit d'une série de phrases sans cohérence, commentaire décousu écrit par Carston au cours de son entraînement dans la machine. Dans un des paragraphes, il décrit les commandes. Je voudrais tellement m'échapper, c'est tellement poussiéreux, et même s'il me manque, il y a un portail désactivé et je sais que la machine peut l'ouvrir, mais j'ai peur d'essayer. Si j'ai bien compris, il suffit de presser le bouton triangulaire, de tourner le cadran rouge et de tirer le levier du milieu pour activer le portail, mais ça ne libérera pas cette cage de verre. Très bien. On va commencer par activer le portail. Puis ensuite, nous ferons joujou avec la machine. Mais d'abord, démonter le niveau. Gnagné, taco, sort supplémentaire. Supplémentaire. Niveau sup. Coup mortel, tu l'as pas encore. Soit. Je vais prendre. Pas d'être monté, pas d'être monté. C'est quoi ce mage nul? Bah, il est resté enfermé longtemps, il est poussiéreux. Alors, triangle rouge, levier du milieu. La machine de Lume le Fou est solidement fixée au sol. Une multitude de leviers, cadrans, interrupteurs et autres boutons émergent de tous les côtés de cet étrange appareil. La machine bourdonne comme si elle vous mettait au défi de l'utiliser. Vous préférez par sagesse concentrer vos premières expériences sur les commandes du pôle de contrôle principal, mais si simple basculement d'interrupteur pourrait tout aussi bien entraîner un désastre. Il y a trois boutons circulaires, il y a aussi trois cadrans, enfin trois leviers, donc on a dit triangle. Vous tendez une main hésitante pour rassier une commande, la machine cliquette, vous rombie et se met trembler lorsque la puissance augmente. Il ne se passe rien, du moins pas encore. Pourquoi fait d'assis sans constite? Parce qu'il a chopé une malédiction, faudrait que je lui lance une délivrance. On a dit que c'était rouge. Vous tendez une main hésitante pour essayer une commande, la machine a cliquette. Et que c'était le levier moyen. Vous entendez un craquement d'énergie et le bruit sourd de la puissance réveillée du portail anciennement inactif dans le coin nord-est de la pièce. L'accès au niveau suivant est désormais ouvert. Oui. Et passage du niveau pour Jaira. Exprime ta volonté. 25 000 XP, ça fait plaisir. Tu as chopé un coup mortel. Je pense que Jaira doit pouvoir lui balancer une délivrance de malédiction. Lui ou... Elle ou Vicky, pardon. Peut-être sort de niveau 4, il me semble. Me trompe-je. Délivrance de la malédiction. Que puis-je faire pour toi?
Et vous allez retrouver ses stats initiales. Il serait un petit peu plus en forme. Voilà, retour à 10 ans pour ce titre. Merci, j'ai fait penser Tancred, j'y pense plus. Alors. Que puis-je faire ? Allons-y. Et maintenant, on va ouvrir les parchemins et regarder ce qu'on a. Carré court du milieu fait des gros muscles. Peut-être pour augmenter la force. Oui. Les forces, toi t'es déjà mis à 22 avec ta ceinture. Ça sert à rien. Valoche, t'es déjà à 20 aussi. À cause de ta ceinture. Pourquoi t'es à 20 en force, ça te sentir, ça te met à 22. Ok. Encore un truc qu'il faut réfléchir. Oh non, t'inquiète pas. Comment est-ce possible? Parce que je suis pas sur le bon perso. Force mise à 20, ouais. Toi, t'es à 25 avec. Machin. Moi, je pense que le mieux, c'est de le mettre sur Jaira. Il va passer en 16 en force. Ou alors je booste Veil comme un gros enfoiré, je lui mets tout dessus, puis vous allez tranquille. Comme ça, il peut rapporter un petit peu plus. Oui. Allez, on va booster Veil de toute façon. Carré court du milieu, on avait dit. Carré. Court. Du milieu. Il a gagné un point de force. Il peut porter 90 ou une 70, beaucoup mieux. Et on peut utiliser les formules qu'une seule fois, a priori, si je me souviens bien. Sinon, ce serait très cheaté. Gros dur, gros dur. Le cercle long et rouge est un gros dur. Bah, bon, des avances pour un match, c'est primordial. Cercle long et rouge. Bon, c'était 18. C'était 18. Est-ce que je peux mettre 8 pour augmenter ses points de vie? Oui. C'était quoi, cercle long et rouge, je crois? Cercle long et rouge. Alors, cercle long rouge. Un point de constit, mais t'as pas gagné de point de vie. Dommage. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Triangle moyen vert fait tomber la foudre. Alors on va dire que non. Pas de magie, va-t'en. Ça c'est pour un balancer un truc d'anti-magie, on s'en fout. Sage sur le carré, cercle et le triangle. Alors, qu'est-ce qu'il y a besoin de sagesse? T'as 14, c'est pas terrible. T'as 18, c'est bien. Carré, cercle et triangle. Elle gagne pas de PV si c'est que 1 en plus. Je pense qu'elle a trop. Elle a pas vraiment pas assez pour gagner en fait. Carré. Cercle. Triangle. Un point de sagesse. Le 19 en sagesse. Ça va. Sagesse. Sois fier d'être court, vert et rouge. On monte à 16 marques. En 16 en carême. Allez. C'est pas par paquet de 2 peut-être. Mais en fait c'est les règles de Advanced Donjons Dragon, donc non, c'est pas par paquet de 2, il y a une règle encore chelou. Je sais plus ce que c'est. Petit carré vert. Court, vert, rouge. Le point de charisme. Ouais, sur en fait les règles d'ADD, il y a des spécificités un petit peu chelou, comme le fait d'avoir 18 en force et un modificateur spécial qui est tiré sur un descend qui se rajoute. Enfin, c'est le gros dawa. Un pas de magie, on l'a déjà vu. Cours vert rouge, on l'a déjà vu. Le carré bleu. Je mets ça, on s'en fout.
On va trouver une note pour intelligence. Vitesse et finesse. Sagesse. Bon, pour l'instant, c'est pas mal. Vite, vite, c'est pas la Dex. Si, c'est possible, mais je comprends pas l'instruction en intégralité. Tout petit, non, on s'en fout. Vite, vite, le carré bleu. Parce qu'on a que carré et bleu. Vite, vite, ça va être court. Court, carré et bleu. La Dex, c'est pas intéressant pour qui. Alors, cher, votre question se pose pas. Ça veut dire que c'est court, carré bleu. On y croit. On va se regarder avant parce que les moyennes vont peut-être crever. Ça serait un peu rigolo. Court. Carré. C'est un échec. Alors, court. Carré. Bleu. Un point de Dex. Absolument. Vite, vite, ça voulait dire court. C'est entendu. Et du coup, elle doit commencer à avoir un taco un petit peu balèze. Pour une archère, taco 5, c'est parfait. Bien. Et ben, on va passer au niveau suivant. Sortie vers les profondeurs, là-bas. Et nous arrivons au niveau des sauts. Et c'est là qu'on met fin à cet épisode. YouTube, je vous dis à la prochaine. Faites ce que vous faites habituellement avec vos vidéos. Et puis, ne ratez pas la suite de nos aventures sur Baldur's Gate 2 Enhanced Edition. Des bisous.